Indeed! Bon matin à toi, ou peu importe le moment dans la journée où tu vas consommer ce workout virtuel. Pour moi, ce matin, à Winnipeg, il fait beau, c'est tôt, fait pas chaud. Fait que j'ai déjà le bout des doigts qui font cling, 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 mais ça, ça va être ma pression d'homme de 97 ans. J'espère que tu es prête à bien bouger avec moi. C'est un setup un peu intimidant. Mais super trippant, je suis à l'intérieur de la cathédrale Saint-Boniface à Winnipeg. J'ai le droit d'être ici? Je ne sais pas. Moi, tu me demanderas à ma mère, je suis plus du genre, je fais. Je demande la permission après, puis on s'organise avec nos troupes. Va-t'en à genoux dans le coin, pas de dessert pendant 2 semaines. C'est pas mal ça, la conséquence. Donc, j'espère que tu apprécies cette aventure partie sur la trotte avec fitflix.ca. Donc, pendant ce workout, je te promets, on va s'amuser, on va bouger en masse. Moi, j'en ai besoin pour me garder au chaud. Je te promets aussi que tu vas m'entendre renifler à peu près à 3 secondes. Et que je vais me frotter les mains comme ça, et je vais sûrement me plaindre du fait que j'ai les doigts et j'ai les orteils qui sont gelés un petit peu hauts. On va faire ça aussi bien souvent. Fait comme ça, on va commencer à bouger tout de suite. Je vais être sûr comme ça de ne pas mourir d'hypothermie devant toute la planète au complet, 3, gang. Un beau 9 rounds. On va commencer à bouger avec des arms crosses. Donc, facile comme ça. Merci à toi d'encourager la plateforme sur le web Fitflix. .ca, main vers le haut. Donc, une fois par en bas, une fois par en haut. J'espère que tu apprécies cette aventure. On est maintenant plus qu'une vingtaine de workouts virtuels qui sont soit filmés à Sainte-Julie dans notre centre d'entraînement à Spartan Fit, main par en bas, et main au centre, ce qu'on appelle les otaries. All right, front lunge. Avec une poussée latérale des bras, c'est bon? That's it. Le petit geste de main, c'est un résiduel de la formation en arts martiaux. Tu fais du ballet? Non, non, j'ai fait du karaté. Tu veux pas me voir en tutu? C'est arrivé une fois, puis je pense qu'ils pleurent encore, les gens qui ont vu ça. Mon ego aussi, d'ailleurs. Donc, on espère que tu te plais sur cette aventure-là. Mon côté, c'est vraiment, vraiment trippant. Shadow, main sur les hanches, les orteils dans les airs. Tu vas tourner de chaque côté. Donc, ce défi de production, c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est super trippant de se promener dans les villes. Vas-y à ton rythme pour l'échauffement. Ça aussi, c'est un indice que je donne aux gens qui s'entraînent chez nous. Un échauffement, c'est pas supposé d'être éreintant. C'est supposé d'être tranquille. 3, 2, 1. Et maintenant, tu vas marcher sur la pointe des talons. Et ensuite, sur la pointe des orteils. Donc, un échauffement, c'est pour te réveiller. Pas juste réveiller le corps, réveiller l'esprit. Commencer à activer le cerveau. De sortir de son sommeil, si tu es une personne qui s'entraîne le matin, ou tout simplement le changer de focus. Si tu es une personne qui travaille après le travail, bravo Pascal, qui s'entraîne après le travail. D-skip, gang. Donc, D-skip, ce que tu vas aller faire, c'est activation de la chaîne postérieure. Donc, à chaque trois mouvements de flexion de jambe, tu vas aller toucher ta fesse avec le talon, donc un peu plus explosif. Donc, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2. L'autre côté. Donc, si je veux terminer mon exposé oral sur les échauffements, tu devrais sentir que ta température a augmenté. That's it, gang, on va être bon à bouger. Yippee! Donc, 9 bons rounds, 35 secondes par exercice. On fait ça ensemble aujourd'hui avec grand plaisir. Donc, pour finir les échauffements, parce qu'à un moment donné, Pascal, il termine ses exposés oraux. Quand tu sens que tes tempes sont un peu moites, tu es juste sur le bon spot, tu gardes ton énergie pour ta routine principale, mais là, ton corps est apte, est chaud, souple et apte à travailler dans tous les plans de mouvement. Fait gang, on y va pour notre entraînement principal.
J'espère que ça va bien t'amuser. On commence avec des goblet squats. Donc, tu peux prendre un kettlebell. Tu peux prendre des dumbbells, un poids quelconque. Genou vers l'extérieur, dos droit. Descends bas et pousse. Donc, tu gardes ça devant toi, la poitrine. On peut appeler ça aussi un squat à la Mac et moi. Première référence culturelle de l'entraînement. Check. Good. Tu peux prendre des... Comme je le dis à l'habituel, si tu n'as pas d'équipement à la maison, je sais que ces temps-ci, c'est très rare d'en trouver sur le web. Des canisses, des sacs avec du sable à l'intérieur. Tu peux vraiment en trouver de toutes les façons. Push-up, main sur un ballon ou main en déséquilibre. Tu peux le mettre sur deux, trois coussins si tu veux, pas de problème. Regarde devant toi. Pousse. Hip bridge, donc prends une charge, tu t'en vas au sol, mets la charge sur tes hanches, pousse au maximum. Donc on va aller chercher ici au jambier, l'architecture est complètement écœurante. Et je suis un grand amateur d'architecture, c'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi l'endroit ici. Je pense que présentement il faut faire moins 2. Ankle flaps, donc monte la cheville. Il va toucher à l'intérieur de la cheville avec la main. 3, 2, 1. Russian twist. Tu peux prendre une petite charge. 45 degrés. Des around the world, donc tu peux prendre ta charge, kettlebell, un exercice plus pour la mobilité d'épaule. Donc tu peux prendre ta charge, ouf, j'essaie de la garder comme du monde. Oh. Voilà. Donc l'important c'est de faire des grands ronds. C'est vrai que manipuler un kettlebell en fonte avec des tigales automne, de l'autre côté, c'est pas... Est-ce que tu es plus safe, je trouve? 3, 2, 1. Des skater lunge avec la balle en suspension. Donc, un peu plus de mobilité d'épaule encore une fois. Un skater lunge, c'est le poids s'en vient sur la jambe d'en avant. Et c'est pas ton poids que tu vas traverser de l'autre côté. Un de mes exercices préférés, slam ball. Donc, c'est un ballon à la maison. Tu le fais frapper au sol. Oh, c'est tellement le genre d'exercice qui va me faire pogner. Fait que plus par terre. Fait que tu fais comme moi. Projection au sol. Et tu ralentis le contact au sol. La police, elle est pas là pour moi. Je pense. Fast feet. Donc, piétine le plancher. Le plus rapidement possible.
15 secondes. Et c'est officiel, je n'ai plus de doigts. 3, 2, 1. Et voilà, gang. Rest. Gorgée d'eau. Premier round de fait, super bon travail. Alors, on s'adapte, les slam balls. On va garder ça tranquille. Je suis quand même entouré d'un cimetière. On va pas réveiller les morts avec un slam ball, là. Comme toi, tu ne veux pas réveiller tes voisins. C'est clair. Goblet squat, gang. On est parti, deuxième round. Donc, descends en bas, garde ta posture droite, recule tes épaules, genoux vers l'extérieur, les orteils légèrement levés, juste pour dire que tu as le poids dans les talons. Push-up sur ballon. Hip bridge. One. Au sol. Poids sur les hanches. Et pousse au maximum. Bon, c'est confirmé que c'est mon exercice préféré aujourd'hui. C'est vraiment un setup malade. Une grosse ruine de cathédrale. À Winnipeg. Qu'un jour aurait pensé. 3. Et elle caste. 1. Ankle slap. Tout va bien ici le micro, parfait. On s'entend bien. Vous m'excuserez si je fais mes check-up en même régulièrement, mais en bougeant. Je vais m'assurer que tu ne me perds pas. Russian twist. Ah, qu'est-ce que l'on sent? On sent du sang qui s'en va dedans le bout de mes doigts. Il était temps. Ah, il est parti ça à la trotte faire ses entraînements sur Internet. Il est revenu avec deux doigts. Et lui, tombe, je sais pas. Donc, important quand tu fais des Russian twist. C'est ton corps qui amène la charge d'un bout à l'autre pour que tu puisses activer la stabilisation par le bassin. Tu me permettras aussi de changer de charge. Je veux tellement pas prendre le risque que j'ai 45 livres qui me glissent des doigts, qui me tombent soit sur leurs orteils ou qui fassent un vacarme de fou. Faut déranger le mess, là. Dans des grands ronds. Good. 3, 2, 1. Ballon sur l'autre main. Descend et monte. Donc, c'est un exercice de contrôle. Ça peut être ta canne de poids, ta canne de roche. Moi, il m'arrache. Strom Gollarbeo, c'est ça. Commence à être des vieilles références. Oh! On est rendu dans les vieux. Les vieux, on est capable. On est en forme, puis on lâche pas, puis. Hein? Il faut ce qu'il faut, puis. Toutes ces phrases Three, génériques. Two, slam ball. One. Avec sourdine. Je vais quasiment marquer sur
la nomenclature des exercices. Slam ball sur mute. En même temps, si t'es en appart, ça va être ta version à toi. Pas tomber ses nerfs au voisin d'en bas. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à Winnipeg. Quoi? Je m'entraîne à Winnipeg. Three, fast feet. Two, one. Je l'aime, cet exercice-là me permet d'emmener mes doigts vers le foyer de mes paumes de main. Oh mon Dieu. Je pense que c'est un problème de pression généralisé pour les hommes. Tu sais, fille, là, quand ton chum regarde le hockey, puis tu lui dis « Enlève-toi là, de la main de là », il se réchauffe, et tout ce qu'il fait, il se réchauffe. 3, 2, 1, rest. Un homme ne choisit pas le foyer où il le veut. Gorgée d'eau, gang, deuxième round de fête. Avec notre super bouteille Spartan Fit. Yeah! Disponible sur notre boutique, avec plein de mots d'inspiration, et très cool. T'es un gars qui fait des shakes de chest bra. Je voulais te montrer en dedans, mais la bouteille est gelée. One. Oh non! C'est un fail. Troisième round, gang. Goblet squat. Dou-dou-dou-dou. Ce que je trouve vraiment cool présentement dans l'image, c'est graduellement, tu as la ligne du soleil qui se lève sur la paroi de la cathédrale. Et Saint-Boniface, parce qu'il a l'air d'avoir une très grande culture francophone au Manitoba. One. En tout cas, à Winnipeg, pour sûr, il y a beaucoup de noms de d'établissements bilingues ou d'écoles francophones ici. Je crois qu'à la base de soit la province ou de la ville de Winnipeg, il y a la personne de Louis Riel. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu vas faire une petite recherche. Hein? Faites flex, on s'entraîne dans des cathédrales puis on va faire notre histoire canadienne. Two, ah oui, non? One. Hip bridge, gang. Tu peux mettre aussi tes pieds sur un appui solide. Si t'as une table à café qui est sur la coche, tu peux même mettre une chaise que tu immobilises le côté d'un mur. Les pieds sur le divan. Pourquoi j'ai ça? Ça va te permettre de monter un petit peu plus haut, d'augmenter ton bras de levier et d'étancer ton exercice. Puis la charge, tu le mets vraiment sur l'os de ta hanche et non pas ta vessie, comprends-tu? Wink, wink. Ankle flaps. Rush and twist. Two, one. Quand même cool, Winnipeg. Si vous passez dans le coin, il y a des monuments architecturaux qui sont dignes d'intérêt. Dont le musée des droits de la personne, qui est vraiment mon genre d'affaires, qui rappelle un style postmoderne à la Frank Gehry un peu, Guggenheim et ce genre de musée. Donc on parle, mais on oublie ses postures, Pascal. Focus, discipline. On fait vraiment des gros ronds. L'idée pour les Around the World, c'est pas d'avoir des charges lourdes. C'est vraiment d'aller chercher une contraction musculaire. Three,
dans tout ce qui est ta structure, de mobilisation de l'épaule pour la forcer dans des quasiment 360 degrés. L'articulation de l'épaule étant, je vais le dire correctement, l'articulation, une bouche bouge pas mal moins bien à moins 2. Donc, c'est l'articulation la plus mobile, la plus complexe du corps. C'est la seule qui est faite en fonction de... 3, 2, 1. Ball and socket. On a quasiment un roulement à billes, c'était mieux. All right. Slam ball sur mute. Sors-toi sur Dean, Louis Armstrong. Ça, c'était weird. That's it. Fast feet. Donc, pour avoir un peu plus de performance sur un exercice comme fast feet qui a l'air super simple et qui peut être très exigeant, c'est force les jambes dans les deux sens. Donc, pour monter le pied et descendre la jambe, tu le fais de façon synergique, c'est là que tu vas gagner de la vitesse. C'est une technique que tu peux répéter, entre autres, quand tu fais des échelles d'agilité, des patterns, que ce soit une side-outside, une side shuffle, etc. T'as-tu aimé mon geste de piano? That's it, groupe. 3, 2, 1. Moins de fait. Rest. Il y a de la glace. Et c'est le temps de mon foyer de paume de main. Oh. Encore pour 15 secondes. Sinon, tu peux aussi, si tu veux participer à nos initiatives, on le fait pour aussi supporter la Fondation Rêve d'enfant, Make-A-Wish. Donc, SpartanFit.ca, ma réplique donnée, D-O-N-N-E-R, un petit 5, un petit 10. C'est toujours le bienvenu pour la Fondation dont on est des fiers partenaires. On descend, goblet squat. That's it. On va. On descend en bas. One. Cool. C'est le ballon aussi commence à être un boulet de canon. Puis c'est un pirate qui passe dans le coin. Je lui ferai un échange. Je vous passage ce boulet en plastique en échange de ce matériau. Ce médaillon un peu mystique. Parce qu'il faut que tout le temps qu'il parle en rime, paraît. 3. Puis là, je me fais avoir, je me fais transformer en Johnny, Depp, incluant sa dette. Fait que c'est ça. Il était beaucoup plus beau quand il est revenu, mais vraiment endetté. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, message à Robert Downey Jr. 3, sur lequel je trippe dans Iron Man. 1. Dude, do little, là. Pourquoi? Ankle slaps. J'espère que tu t'amuses à la maison avec moi, qu'il fait plus chaud. Et que tu partages aussi les workouts 3, 2, 1. Avec conjoint, conjointe, amis, tes enfants qui veulent s'amuser avec toi. Yeah.
That's it. One. Around the world. D'ailleurs, on devrait avoir un article dans le journal local de Saint-Bruno, Sainte-Julie, les versants. C'est pas cette semaine, j'imagine, c'est la semaine prochaine, concernant cette traversée du Canada. Donc, merci aux versants de propager la bonne nouvelle. One. Oups, faut que je reprenne mon ballon, moi. Et l'idée étant de donner un peu confiance aux entrepreneurs de notre région, surtout du côté des centres d'entraînement, que malgré des fermetures un peu aléatoires par le gouvernement qui fragilise et épeure outrageusement notre clientèle, la seule chose qu'on peut faire, c'est se battre et être créatif. Le reste, on le contrôle malheureusement pas. Donc, soyons un peu kamikazes dans nos approches, puis jouons all-in un peu. C'est un peu la philosophie derrière cette entreprise-là. En même temps, je vous dirais que quitter ce brouhaha médiatique qui est la belle province en ce moment, ça fait du bien. Ça fait du bien. One. Fast feet. Et moi, je trouve l'important, le principal en tout cas, c'est trouver une façon de sortir grandi de n'importe quelle situation. C'est trouver sa façon à soi de grandir. Moi, personnellement, ça a été celle-là, de pousser deux projets parallèles au centre d'entraînement qui sont extraterrestre.ca. Le blog Rando Aventure, d'ailleurs. J'ai mis des super photos hier de Winnipeg. Très cool. Ça me permet de sortir un peu mon côté artistique, mon côté créatif. Vous trouvez les points de vue quand je visite, vous les partagez. Vous donnez le goût du voyage et de l'aventure. Vous partagez mes erreurs. Pour que vous ayez moins froid dans la nuit. Non, si tu as froid dans la nuit, tu ne mettras de la laine de Mérino. Ouais. C'est pas drôle. Excusez, j'ai une partie de mon cerveau qui me juge. Elle vient de s'exprimer. Et elle est retournée derrière la file avec les 42 autres. Avant-dernier round, groupe. Donc, revenir grandi de n'importe quel obstacle. Et souvent, sinon très souvent, c'est dans l'adversité qu'on va trouver nos sources de croissance. Et si jamais, ben, de mon côté, je vais vous en parler très sincèrement, si mon côté commercialement, à cause de la situation actuelle, un centre d'entraînement peut ne pas survivre, puis je dis pas ça du tout, là. Capotez pas mes sneakers, on n'est pas sur le point de lever le fly, loin de là. Je suis ici philosophique. Spartan Fit est à Sainte-Julie, puis on est là pour rester pour un méchant bout. 3, 2, 1. Ils vont démolir la bâtisse, mais on va être dans le milieu avec un kettlebell dans les mains. Hip bridge. Non, moi, il bouge pas. Mais c'est M. Diri, faut retourner à votre résidence. Non. Moi, je lui dis, je suis ici jusqu'à la fin. Je vais être ici jusqu'à la fin, OK? Je perdrai pas de place. Mais avant qu'on continue cette discussion, moi, j'ai une question pour vous. Où sont mes dents d'en haut? Three. Hey, j'ai le ciel ici, en haut de moi, c'est malade. Juste en biais, je vois comme la croix en pierre qui chapeaute la cathédrale, là, c'est... Si j'avais un appareil photo, garantie que... Et j'irai à cœur joie là-dedans. Donc, comme je disais, il y a 3 minutes, grandir dans l'adversité.
de mon côté. Ça serait d'avoir vécu toutes ces aventures-là, avoir ces histoires racontées sur les nuits dans la voiture, la route. 3, 2, 1. Tout va bien, côté du son. Tu m'entends encore? Cette voix suave que j'ai. Rush and twist, gang. En même temps, tu vois la liste des exercices, tu vois que je suis en train de perdre des précieuses secondes avec mon micro et où de m'arranger l'élastique de bobette qui paraît trop en arrière. Sérieux, il faut que je change ces culottes d'entraînement-là. C'est parce que Reebok, des culottes taille basse là, pour l'entraînement fonctionnel, c'est non. Si je voulais faire paraître mon petit tatou de Rihanna pendant que je fais du leg press, dans tous les maudits exercices qu'il fallait que je choisisse pour ma joke, j'ai juste choisi le seul que tu étais assis puis tu voyais vraiment pas le bas du dos. Bravo Pascal! On t'aura compris là. Juste après toi, je me fâche. C'est moi qui m'a dit les choses, mais c'est ta faute, regarde. T'avais qu'à comprendre l'intention. 3, 2, 1. All right. Skater lunge avec stabilisation de ton bras. Puisque j'adore des slam bars pour ces exercices-là, c'est que t'as le recouvrement extérieur qui a l'air d'un pneu, mais t'as aussi une balle à l'intérieur avec la charge qui fait de 1 qui te permet de envoyer le ballon au sol quand t'en as besoin, mais qui fait aussi qu'en tenant le ballon comme ça, c'est très instable. Donc je le sens à mon épaule là, qu'elle fonctionne, c'est malade. Slam ball sur mute. Oup. Donc aujourd'hui, si tout va bien et la météo est avec moi, c'est cap vers la Saskatchewan. 3, 2, Saskatchewan! 1. Je parle plus parce que la toune est partie dans ma tête. C'est comme, je peux faire 45 choses, ça c'est la 47e. Ça arrête là, sursaturation. Rest. Une autre petite gorgée d'eau, ou sort ton pic à glace dans mon cas. Ah! Le soleil sort, nous dire bonjour de son joli visage. C'est poétique à Winnipeg. La la la. Un duel du collègue là-dedans, j'aurais un pop sur la fin. Rien de mieux qu'à la fin d'un entraînement d'avoir un poste ou un Mr. Freeze. T'as jamais un jour de baseball, toi, man? Dernier round, groupe. Tous les coachs de baseball qui se respectent amène une glacière avec des Mr. Freeze. Il n'a pas passé 15 ans, là, je parle. Sinon, tu fais weird. Hey, Serge, j'ai où la bière? Ben, je sais pas, mais j'ai des pops blancs. Serge, j'étais à la fin, mais il n'est jamais revenu au deuxième but. 3, 2, finalement, 1. Je pense pas que slam ball qui va faire comme faire pogner, c'est mes jokes. Ah, il y avait personne qui roulait un double jeu comme Serge, mais je m'excuse. C'est maudit Mr. Freeze Mauve, là. Il y avait plein. Truc sur les push-ups. Regarde pas le temps devant toi. Ça va garder ta posture droite. J'y pensais pendant que je le faisais, là. Mais c'est aussi une correction que j'apporte souvent à nos membres à Spartan Fit à Sainte-Julie.
regarde devant toi. Ça va éviter de courber le dos et te donner l'impression que tu es vraiment bas, vraiment bas sur tes push-ups, parce que non. Donc, tu prends un point au mur. Ça peut être une vis, une tache, peu importe, pas grave. Juste pour dire, tu gardes ta tête au niveau. Ankle slaps. Je cherche le soleil. Il est maintenant là-bas. That's it, Russian twist. Around the world. Grand tour d'un côté, grand tour de l'autre. Maximum de circonférence que tu peux aller chercher. 3, 2, 1. All right. Main haute. Descends en ligne droite. Ce que tu vas avoir, c'est ta rotule en ligne droite entre ton gros orteil et l'orteil deuxième. Donc, tout le poids est sur la jambe d'appui. Il n'y a rien sur la jambe que ça va patiner si tu aimes mieux. Fais deux exercices d'épaule comme ça, là. Ouh là là! C'est bon pour la force de préhension. Slam ball sur mute! Ça, c'est vraiment un de mes exercices préférés. Je trouve tellement qu'il défoule quand tu peux slammer au sol, évidemment. C'est qu'il sent plus ses doigts, c'est pas calme. Three, two, one. That's it. Un petit dernier 35 secondes. Fast feet. Let's go, gang. Dernier exercice à la cathédrale Saint-Boniface à Winnipeg. 20 secondes. Merci d'être là, j'espère que tu t'amuses, tu apprécies le décorum. On a aussi des entraînements virtuels en direct des chutes Niagara et d'un super lac sauvage dans le parc Killarney en Ontario. Three, malade. Two, one, done. That's it, gang. C'est fait. Plus de doigts. Félicitations pour tes efforts. Super bel entraînement. Et avant que j'oublie, pour les amateurs de lutte, vu que je suis à Winnipeg, break the wall down, Jericho! Chris Jericho, voilà, Y2J. Good. Étirement, groupe. Donc, hands clapped, bend forward. Les mains au sol bas. On va aller faire cobra maintenant. Arc le dos vers l'arrière. Super bel effort, expérience extraordinaire. Quand je vais revenir grandi, ça
c'était ma façon à moi de trouver un projet de continuous learning, downward dog, talon au sol. On va vers l'arrière. Donc, d'avoir vu le Canada, d'avoir vécu plein d'anecdotes, des expériences tripantes comme me lever vraiment tôt, la boue dans le toupette, d'aller m'entraîner devant les chutes Niagara, dans une cathédrale à Winnipeg, c'est malade. Et en toute humilité, moi, je trouve que c'est ça le secret du bonheur de la vie. C'est ces petits moments-là. Et je crois, je me prends une note mentale. All right, gang, un petit dernier. Le genou monté, on prend le pied, on l'amène en arrière. Le talon, talon 90, on va chercher le psoas. Une psychologue que j'admire beaucoup, qui a fait une conférence TED Talk sur ce qu'elle appelle, elle, la boîte à soleil. Puis elle passe par une super belle image pour vous expliquer ce qu'est le bonheur. Parce qu'on attend tout le temps à « je vais être heureux quand ». Ça, c'est votre pire piège ever. L'autre côté, vous ne serez jamais heureux quand. Vous devez être heureux là. Et c'est comment trouver être heureux là. Et c'est par privilégier des petits moments singuliers, mais vrais et porteurs de belles, grandes et sincères émotions. Tu prends ce moment-là qui est ancré dans ta mémoire et tu le mets dans ta boîte à soleil. Et quand tu es dans une passe plus malheureuse, tu retournes dans ta boîte à soleil et tu vas piger là-dedans. Puis sans le savoir, c'est simplement comme ça que j'ai tout le temps vécu ma vie, surtout en relation intime, de bâtir un patrimoine de souvenirs communs, de beaux moments. Parce que la journée que tu t'ostines sur la vaisselle, ça fait une semaine qu'elle te tombe ses nerfs. Faut faire tes sourcils là-dedans. Si tu veux durer 10, 15, 20, 20, 25 ans, former une famille avec cette personne-là. Moi, c'est ma philosophie, en tout cas. Et pour ta vie personnelle, c'est la même chose. Et moi, ça fonctionne. Ça fonctionne à tous les jours. Parce que tous mes souvenirs de voyage, des moments, un sourire, peu importe avec qui, ça peut être des amis, mes anciennes conjointes, ma famille, tout seul en voyage, j'ai des moments qui sont imprégnés. Puis quand ça va pas bien, on est, oups, je me perds là-dedans, je retourne les émotions, les images, et ça me fait passer à travers l'épreuve que j'ai à passer. Peu importe, elle est laquelle. Donc, je vous mettrai sa conférence TED Talk sur la boîte à soleil en espérant que le workout de ce matin en fera partie. Pour moi, je te le dis, dès que tu sois là avec moi ce matin, ça fait partie maintenant de ma boîte à soleil, c'est-à-dire un entraînement que j'ai fait avec toi dans une cathédrale à Winnipeg. C'est complètement malade. On se retrouve bientôt, je ne sais pas où. Peut-être en faire en Saskatchewan, sinon en Alberta, dépendant des conditions météo. Parce que les dernières photos que j'ai vues, il y a l'air à faire moins 872. Là-dessus, bonne fin de journée. Ousse.